aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis encore dans ce salon et on sait ce qui se passe quand je suis là. Il y a une histoire de vêtements. Et pour cette vidéo, j'ai une invitée surprise. Hey bye. J'ai trop hâte. Vous savez pas comment j'ai trop non, hâte. Il faut expliquer, il faut donner du contexte. Oh, je suis excitée. Tous les ans, je vais à Tomorrowland. Faut le dire, genre c'est mon moment de l'année, mon festival préféré au monde, mon endroit préféré au monde, nanani nanana. Donc, il me faut des tenues de festival. C'est vraiment le seul moment de l'année où je change du tout au tout. Ok, où voilà. Tu testes des nouvelles personnalités. Voilà, et en général, j'aime pas. Donc, mais ça fait longtemps qu'on parle de cette vidéo là. Nous fait 50 ans. Ouais, ça fait. Ben, c'est de la prod. Il fallait organiser. Moi, il faut que, tu vois, je te bouffe dans mon agenda entre tous mes stylismes et tout, tu vois. Ouais. Je pense que c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut donner du contexte de moodboards? Ouais, en gros, tu m'as envoyé un moodboard. Tomorrowland, je l'ai fait en 3 minutes. Ouais. J'aurais pu un peu plus. J'avoue, je vais pas te mentir. Oh non, mais je sais pas que t'as pas respecté le moodboard. J'ai respecté le moodboard, mais. En fait, parce que là, le but, c'est que ce soit vraiment les tenues que je mette. Genre là, quand je vais à Tomorrowland, tu vas les mettre. Mais c'est juste que le moodboard, c'était ta zone de confort. Bah oui, c'est ça que je veux. Ok, mais on t'a déjà vu en fait avec ces petits looks. C'est sympathique, et même en vrai, j'ai des trucs comme ça. Mais je vais te proposer autre chose aussi. Et c'était très dur parce que par contre, Tomorrowland, c'est quoi? C'est 6 jours. Ouais, en fait, je fais les deux week-ends. C'est 3 jours, 3 jours. Donc, ça fait beaucoup de tenues. Et il y a aussi des malus, comment on dit? Hein? Il y a aussi des. C'est quoi ça? Pas des malus. Des marges de manœuvre? Non, non. Quoi? Mais quoi? Parce que j'ai pas prévu moi. Tu as des 6 jours, c'est 6 jours. Comment on dit à toi? Le. Genre, il y a des complications. Il y a que des baskets et tout. Ah oui. Parce que c'est marrant, hein. Fais-moi des loups. Non, mais parce que c'est la 20e année que je vais à Tomorrowland. Je sais exactement ce qu'il faut. Il faut que des baskets, il faut des trucs pratiques, pas trop courts. Parce que si j'ai envie de. J'ai tout pris en compte. Ok. Je vais te ramener tous les looks, sachant que j'ai pas fait genre day one, day two, day 3. Ok, genre. On essaie tout et on voit. On essaie tout et on mixe en fonction des week-ends, genre pourquoi tu t'habites tous les jours dans la même couleur, tu vois. Ok. J'ai vraiment voulu la sortir un peu de sa zone de confort. Parce que si elle a fait appel à moi, c'est qu'elle voulait pas que je prenne les mêmes looks que ce qu'elle aurait acheté. Je trouve que c'est dur des fois de se rendre compte qu'est-ce qui est beau sur soi. Mes frères, j'ai préparé des looks. Vous n'êtes pas prêts. On dit aussi elle est pas prête. Et elle m'a dit que des baskets, mais. J'ai vraiment peur. Parce que je me suis dit que ça pouvait être une vidéo cool à faire. Et on a mis nos expertises. C'est-à-dire qu'on a fait une vidéo sur la chaîne de Maya où je la maquille vu que j'étais maquilleuse avant. Et là, elle va me préparer les tenues, mais du coup, j'ai trop peur. J'ai trop peur parce que ça fait des semaines que j'attends ce moment. Pour ceux qui vont à Tomorrowland, vous savez. T'es en train de tout me casser là. Ok, petit disclaimer. Voilà. Je ne suis pas styliste. Ah non. On a fait une vidéo où tu me maquilles parce que t'étais maquilleuse d'avant. Moi j'avais des stylistes. J'avoue, j'ai un peu eu des excès sur le shopping. Donc voilà. Mais je ne suis pas styliste. Ok, ferme encore les yeux. Si je vois sur la vidéo que t'as ouvert. Je te jure que j'ouvre pas. Je te unfollow. C'est long. C'est trop long, Maya. C'est trop long. Je vais ouvrir. Je vais ouvrir mes yeux. Non. Ok, le plateau accessoire, je le mets où? Sur le meuble d'été. Ah bon? Non, je le mets sur le canapé. Ça fait du bruit, hein. Ah oui, il y a du bruit, hein. Ok, tu peux ouvrir les yeux. Ok, bah ça c'est ah oui, bon. Tu vas rien voir. Je suis stressée comme pas possible. Je t'explique, j'ai fait des looks où en fait je les ai réfléchis en mode. Donc j'ai pris en compte ton moodboard, j'ai pris en compte tes retours. Et j'ai essayé de faire déjà avec ce que je trouvais dans un timing qui était un peu serré. Ouais. Parce que j'étais quand même limitée dans le temps. Ça commence déjà à justifier, ouais. Non, et vraiment, je t'ai fait des looks où je pense que tu vas être sublime dedans. Mais il faut que t'aies confiance en mais toi. Mais t'es okay sûre que ça correspond au moodboard? Ouais. Premier look, c'est une jupe et un top de chez Mirai. Ok, j'aime bien cette marque. J'adore cette marque, je trouve que c'est très mimi et c'est des très belles pièces. Je t'ai mis ça et là je vais te montrer les chaussures. Oh non. Quoi? Mais Maya, t'as une tête de fautive. Bon, pour l'instant, on est sur des baskets. Je trouve qu'elles sont excellentes. On est très été, très... Quoi? Quoi? Vas-y, j'essaye. Et les chaussettes et tout? Chaussettes, Bah, pour l'instant, tu vas essayer chance sans chaussettes déjà. Maya, je m'inquiète. Eh, hey, tu vas pas me saouler, hein. Fais confiance. J'adore. T'es la reine. Vas-y, souris, fais un sourire. Tiens, mets ça. T'es la reine. Là, oui. Cutie pie. Pourquoi pas? Ça fait un peu sportif. Mais c'est parfait. Bah non. Dua Lipa, elle pourrait grave mettre ça. Je suis pas Dua Lipa. Si, t'es Dua Lipa. Allez, vas-y. Je t'ai dit que non. C'est une robe à fleurs. Elle me dit c'est sportif. T'as déjà vu une sportive faire du sport avec une robe à fleurs? Il y a 2 minutes, tu m'as dit oui, c'est sportif. Ça fait un peu sportif. Mais c'est parfait. Non, c'est pas sportif. Frère, tu vas à Tomorrowland. Tu vas à Tomorrowland, j'allais pas te mettre un décolleté. Bah si. Mais frère, faut que tu me relances, c'est genre... Faut que tu sois sécurisé. Oui, mais y'a rien à sécuriser chez moi. Bah, y'a toujours, hein. Ah, non. Si, si, là.
pas chez moi. Vas-y. Non, mais parce qu'en fait, je pense que t'as pas compris à quel point Tomorrowland c'est important. Donc là, je vais te faire chier toute la vidéo. Vas-y, calme. Regarde, essaye les trucs. Marina, elle m'a dit qu'elle a kiffé. J'adore. T'aimes pas? Ça, je comprends la vibe. C'est un délire. Ouais, c'est chaussures que t'aimes pas. Bah, en fait, c'est pas que j'aime pas, mais je trouve qu'avec la tenue, du coup, ça fait too much. Non, mais après, je peux te mettre des petites chaussettes, tu vois. En fait, j'aime sans aimer. Hein. Genre là, je comprends, mais là. On a des chaussettes. J'adore. Je trouve que t'es trop fraîche. Genre, moi là, je suis en festival, je suis en train de regarder le spectacle. Je te vois arriver comme ça, je suis en mode putain, elle est stylée. Bah, moi, oui, jusqu'à que je regarde les pieds de la meuf. Ouais, mais en festival, je vais te mettre des petits talons. Je t'ai pas dit justement, ça. Justement, c'est dégaine de je mettre dis, des, là, des baskets. En plus, c'est... sans chaussettes. Non, sans chaussettes, c'était juste pour voir quel type de chaussettes on avait besoin. Ok. Fais confiance. Là, t'es stylée. Là, t'es quand sublime. Quand je vois mes jambes, j'ai envie de les couper. Je Pourquoi les déteste. Là, comme ça, ça me fait des gros mollets. Les pas chaussettes, du tout. Ça coupe. Mais t'es folle. Vas-y, t'es folle. Fais confiance. Essaye ça. En fait, le sac, on s'en fout parce que. Non, on s'en fout pas parce que ça, c'est le genre de truc. J'ai une tenue parfaite et j'aurais pas le sac qui va avec. Le sac, on s'en fout. Le sac, ça peut juste être noir. Bah, ça gâche une tenue. Genre là, je trouve que ça. Absolument pas noir, ça va avec tout. Non, mais Maya, là, je déteste la tenue. Pourquoi? Non, je suis désolée. Mais pourquoi? Mais t'aimes pas quoi? Mais là, je suis à la fois sportive, à la fois. Je suis tout en même temps. Tu veux qu'on appelle quelqu'un pour demander? J'appelle Jérémy. Vas-y, appelle Jérémy. J'appelle un renfort aussi. En gros, on fait la vidéo avec Maya. Est-ce que je peux t'appeler à chaque look pour que tu donnes ton avis? T'es daltonien ou pas? Tu vas me dire ce que t'en penses. Première tenue. Donne. Oh là, mon dieu, c'est atroce. Quoi? Mais qu'est-ce qui est horrible? La couleur? La forme? Quoi? Mais, montre. Mais c'est sublime. Bah, y'a rien qui va. Vas-y, il est pas prochain. On va faire ça. Je vais faire un lookbook. Vous voyez, on va faire un lookbook. Ok, à toute. Bisous à toute. Ah non, moi je l'appelle pas à chaque look. Hein. Dites-nous chaque look ce que vous en pensez. Parce que là, la vidéo elle sort avant Tomorrowland. Elle sort dimanche, ouais. Donc, vous allez. Merci. Vous allez me noter chaque look. Mais je ne comprends pas ce que t'aimes pas. En fait, il faut que tu m'expliques exactement ce que t'aimes pas. Parce que si. Ça fait 4 fois que je t'ai dit. Si. Non, mais ça fait trop sportif là. On dirait que je suis. Genre, je veux un truc hyper féminin, cute, et là tu me fous ça. Mais. T'es d'accord? T'es d'accord que c'est pas ce qu'il y a de plus féminin là? C'est pas ce qu'il y a de plus féminin, ça fait. Oui, ça peut faire un peu tennis par la forme, mais c'est pas un problème, tennis c'est hyper branché. Et c'est sportif. Je veux pas de look sportif, je veux des trucs un peu sexy genre. Bon, t'aimes pas? Non, j'aime pas. Combien sur 10? 3 sur 10. Ah! Parce que j'aime bien ça, malgré tout, mais juste là, je sais pas. Oh! Ah non, ah bah là, là tu fais le mix que je déteste. Là, t'es tu... la reine. Tu sais que ça m'inquiète pour la suite. Hein. T'es la Quand reine. T'es la reine et que je ressemble à ça. Mais t'es sérieuse? Ah ouais, je suis très sérieuse. Là. Mais t'as pas la vision, je crois. Ok, tu veux du féminin, vas-y, ça va. Prochaine tenue, c'est une robe Coperni. Coperni, c'est une marque excellente. Et c'est un peu asymétrique, un peu dentelle. Ça, si tu me dis que c'est pas féminin, je te frappe avec le centre. Va me mettre là et reviens pour les chaussures. Ok, pardon, juste petite interlude, j'ai mis la tenue d'avant. Mais en fait, voilà, ce que je comprends pas, c'est que tu dis que c'est stylé sur moi. Ouais. En fait, c'est que t'aimes le look. Bah, je trouve que c'est stylé sur toi, mais c'est pareil, c'est un peu sportif, un peu. Moi c'est pas mon style, toi ça te va bien, mais je suis désolée, c'est pas genre le truc le plus féminin et le plus sexy. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit c'est féminin et sexy. Et c'est pourtant ce qu'on t'a demandé. J'ai dit, je t'ai fait une proposition avec ce look que je trouve trop frais et très sympa pour Tomorrowland. Mais par exemple, je comprends pas en fait quand tu dis que c'est stylé sur moi, mais que bah, toi t'aimes pas la tenue. Ça veut dire que t'aimes pas la tenue style. C'est pas mon style, mais toi ça te va bien. C'est alors, beaucoup plus féminin. Beaucoup plus féminin, je donne le positif et le négatif. Vas-y. Plus féminin, plus... Voilà. Juste, j'aime pas ce rose genre ultra pétant, mais c'est un détail. Mais j'avoue, rose avec ça, je trouve ça fait un peu cheap. Tu m'as tellement détesté. Vas-y. Hors contexte, si je te dis que je l'ai acheté au marché, tu me dis, ouais j'avoue. Bah là, tu l'as, peu importe si tu l'as acheté même en friperie, je te dis, ouais j'avoue. Après, si je te dis le prix de la robe, tu vas... Bah c'est pour ça que je te dis ça. Tu vas déchanter, hein. Bah, j'ai pas envie de savoir. Et voilà. Je trouve que... Non, en vrai, ça va. Juste, ça j'avoue, j'aime pas la couleur. Ah ouais, mais frère, ça y est. Moi, c'est un détail. Fais confiance, c'est beau. Ok, là, les chaussures. Converse noir. Moi, j'aime les Converse, voilà. J'aime pas trop les baskets avec des robes, mais en revanche, les Converse, je trouve que... Ouais. Faut que je les vois, quoi. J'adore ce look. Je trouve que c'est féminin, c'est festival, c'est détente, c'est journée, c'est cool, tu vois. Mais j'avoue que je préfère l'autre look. Mais je comprends le délire, mais c'est pas mon délire. Le but, c'est que je te mette des looks qui te vont bien. On t'a pas demandé ton avis. Mais si, justement, le but, c'est que tu fasses des looks en fonction du mood board. Par contre, il y a un look que tu vas kiffer. Mais attends, Maya. Non, mais un look qui est hors sujet que tu vas kiffer. Ça t'aime? T'es dur en affaire, hein. Bah, j'ai l'impression que je suis dur en affaire, mais je crois que juste c'est mieux que l'autre. Bah waouh. Typiquement, moi j'imagine, là sur le moodboard, tu prends une petite robe jaune, tu me trouves des gros bracelets, tu me trouves le petit sac trop cute qui va avec, et tu me trouves des chaussures ouais, qui sont bien. Ouais mais tu vas choquer personne. Mais j'ai pas envie de choquer quelqu'un. Non mais genre, personne va être en mode, bah dis donc. Là tu penses que les gens ils sont en mode, bah dis donc. Là les gens sont en mode, eh bah. Écoute combien. Je te
Je te dis à la fin. Vas-y, prends une photo. Et je trouve que ça fonctionne bien avec les converses. Parce que moi, vraiment, je te jure, quand tu m'as dit que des baskets. Le mix des matières, je sais pas, il y a un truc. Entre ça et les converses. Dans une tenue, t'as besoin d'une pièce forte, ok? Ouais. Donc ça, c'est ta pièce forte. Ça, ça compte pas. C'est noir, c'est basique. Ouais. Personne se retourne dessus. Basket, pareil. Okay. En fait, là, la tenue, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment juste pour avoir des chaussures, quoi. Je mets un 5,5, 6. Ah, waouh. T'es dur, hein? 6. 6. Est-ce que peut-être t'as besoin que je te montre la photo? Genre là, t'es pas vibes. Là, t'es pas la reine. Y'a un problème quelque part. Mais c'est quoi? C'est. Je sais pas. Mais t'es folle, hein? Prochain look. T'es en train de perdre pied. Non, pas du tout. Non. Écoute, je vais te montrer tous mes looks et je m'en fous de ton avis. Ok. Je te propose et les abonnés ils trancheront. Voilà. Tu vas mettre ça avec ça. Tu sais, est-ce que tu te rappelles que je t'ai dit que j'aimais pas mes épaules? Tu m'as rien dit. Tu m'as rien dit. Je te ressors le vocal. Va. Ah, mais je vais pas te mettre des. Attends, je t'ai dit des manches longues. Mais t'es marrante, toi. T'as jamais des robes d'été girly à manches longues? Est-ce que des fois il pleut à Tomorrowland? Oui. Ok. Non mais tu te fous de ma gueule. Ok, viens voir, viens voir. Tu m'as dit pas de bottes. Sauf que personnellement, je trouve que les bottes c'est plus confortable que des baskets. Tu sais que je t'écoute pas, le monde est en train de s'écrouler. Ça fait des semaines que j'attends ça. Ta gueule, regarde-moi. Mais ça, celle-là ouais peut-être pas. Celle-là peut-être pas. Celle-là j'ai tenté un truc. Ose me dire que tu me sabotes pas. Non, là c'est peut-être pas beau, ouais. Mais le bien, en fait, tu te rends pas compte à quel point c'est important et à quel point j'ai pas préparé mes tenues en me disant Maya va gérer et à quel point t'es rendu compte que tu pourrais chialer. Laisse-moi finir. Un look ça se construit. Fais voir. Non, mais enfin. T'es mode. Là je suis bourrée là. Non, t'es méga mode. Non, je suis bourrée, Maya. T'es méga mode. Je me suis habillée en étant bourrée. Attends, je regarde dans le retour. Avance. Ah merde. Avance. T'es. T'es la reine, t'es méga mode. Je vais pleurer. T'es méga mode. Premier degré. C'est quoi que t'aimes pas? Alors là, celle-là, je peux comprendre que t'aimes pas parce que c'est un parti, c'est risqué, tu vois. J'ai envie de te claquer. C'est très frais, moi je trouve. Déjà, regarde le bruit que je fais quand je marche. Mais quoi, on s'en fout, hein, y a de la musique techno partout, on va pas entendre tes bruits de pas. Vas-y, fais comme ça. T'es la reine. Je comprends que t'aimes pas. Parce qu'on est quand même sur des bottes en plastique, un micro short en genre paillettes et un haut en dentelle. Donc je conçois que t'aimes pas. Mais je trouve que c'est très frais. J'ai plus envie de continuer. Vas-y. Ok, ça trop beau. Je mets un 0 sur 10. Ok, je comprends, je l'entends. À côté, le premier look, je suis la reine du festival. Ok, je l'entends, mais fais-moi confiance. Arrête de me dire fais-moi confiance à chaque fois parce que je. Là, je te fais confiance et les je suis les, les gens, ils vont commenter. Ouais, j'ai hâte de voir. Non, quoi? Ça va pas. Bah, tu vois, je préfère ça. Alors, ça va pas parce que c'est un maillot. Ça va pas parce que tu vas à la plage. Si c'était un soutien-gorge, tu vois? Ça va pas. Et genre, tu le reprends juste là pour que ce soit un peu plus serré. Ça fait trop plage. En plus, j'avais commandé une ceinture, mais qui est pas arrivée. Mais ça. Ça, c'est beaucoup plus moi. Mais par contre, c'est vrai que ça fait très plage. En fait, c'est dommage. C'est parce que j'ai un maillot. C'est ça. Je vais tenter quelque chose, Andy. Ça va peut-être pas te plaire. J'ai l'habitude. Ah, je vois. C'est ça? Je vais me la tenter. Moi, mon rêve, ça a toujours été de voir Andy avec des ballerines. Fais voir. Peut-être pas avec ce look. Essaye une sans. Non, mais c'est un déguisement, là, regarde. Essaye, vas-y. Dans la mode, on essaye des trucs. Non, les chaussettes, ça va pas. Parce que les chaussettes, elles sont trop blanches. Et la robe, elle est beige. Mais sinon, j'aime bien le look. Mais peut-être pas les ballerines, attends. Vas-y. Tant d'efforts, Maya, t'as dû passer du temps à faire tout ça. J'ai passé des heures. Bon, par contre, j'ai mis ma vie de côté. Je trouve que ça casse le côté plage. Ouais, mais sans les chaussettes. Pas dans le bon sens du terme. C'est pas mon look préféré parce que tu me choques. Enfin, je suis pas en mode. Tu vois, mais c'est joli. Tu vois, ça c'est après avoir tenté trop de looks pendant le festival, le dernier jour tu mets ça en mode. Genre, je vous ai servi déjà 3 à manger, maintenant vous contentez de ça. Tu veux que j'essaye avec une autre paire? Mets-moi ça, t'aimes? Ouais. J'adore. Tiens-toi gentiment. Est-ce que je peux essayer avec ça? Qu'est-ce que t'as? Maya, c'est un désastre là. Mais pas du tout, fais confiance. Mais arrête de dire fais confiance, c'est une catastrophe depuis le début. Mais pas du tout, c'est toi qui aimes rien. Tu vas l'accrocher, je vais pouvoir rentrer cette mocheté. Le maillot de bain, ça va pas. Mais ça me saoule parce que j'ai pas envie de critiquer tes looks. Mais tu peux critiquer, hein. Bah, c'est ce que je fais. Les gens, ils vont trancher. Je pense que tu t'es déjà pris des petites vagues de haine. Mais celle-là, elle est tellement violente. Mais frère, quand tu te stylises tout seul, tu mets des culottes avec des canettes de matcha. Tu parles avec moi. Ok, est-ce que tu veux. Mais ouais, mais. Oh là là, quoi? Ok, tiens, voilà, mets-moi ça. T'es la reine. Après, c'est un peu trop.
très con. Il y a un truc que je comprends pas. Je t'ai envoyé un mood board. Ouais, ça c'est aucun rapport avec le mood board. Non. Ça c'est aucun rapport. Depuis le début, Maya, ça n'a aucun rapport. La robe rose c'est pas le mood board, la robe Mireille c'est pas le mood board. Maya, ramène le mood board. Tu prends ça du mood board et tu le mets sur le look. Le reste ça a rien à voir. Ok, j'explique, un mood board c'est un mood. C'est pas genre je te prends les looks du mood board, sinon je sers à quoi? T'as rien créé à partir du mood board, Maya. C'est une horreur. Moi si je te ressemblais. Mon pire, mais. Je me m'habillerais comme ça. C'est mon pire cauchemar là ce que tu me fais. Bah ouais, mais en fait tu voulais que je fasse ton shopping à partir de ce que t'avais déjà choisi. Là je t'ai fait des vraies propositions. Ok. Là il y a un travail. Ça a été réfléchi en fonction de toi. T'aimes pas, tu te trouves pas belle là. Non, je me trouve bien moche. Mais pourquoi? J'appelle Jérémy. Non, t'appelles pas Jérémy. Laisse-moi prendre une photo. Tu peux mettre tes couvertures noires? Je trouve ça trop beau. Tu sais que. Ok, je t'explique. Putain. Je vais me saboter. Tout le monde se rappelle alors. Maya, tu sais que j'ai pas envie que dans la vidéo, après, les gens ils disent la pauvre Maya, elle a fait l'effort de faire plein de tenues et on dit Je m'en fous, moi j'essaye. Je tente, voilà, je voulais voir Andy en ballerine, je l'ai vu. Par contre, moi demain, je vais à un festival avec un groupe de potes. Je vois une meuf, elle débarque comme ça. Je dis, mais c'est la reine. Je veux être elle. Bah je te la donne si tu veux. Non, je veux être elle. T'es la reine. Peut-être qu'on se comprend pas, mais moi je trouve que t'es la reine de la pop là. T'es la reine, regarde quand t'assumes, t'es comme ça. Quand tu l'assumes, tu le portes le look. C'est... Mais en fait même quand je le porte, je comprends le délire. Mais Maya, je vois pas quel moment. Tu vois, même si, imagine on se connaissait pas. Mm-hmm. Même si tu vas sur mon Insta. Ah non, mais oui. Sur Insta tu mets des t-shirts blancs et des jeans. J'ai envie que tu proposes ce genre de choses. Après si t'aimes pas, je comprends, c'est hyper court. Non mais c'est court et tout, c'est pas la bonne taille. Genre même si c'était un peu plus long, j'aimerais pas, tu vois. Mais qu'est-ce que t'aimes pas, la couleur? Le style, c'est ultra à la fois sportif, à la fois. C'est un peu moto, genre. C'est un peu moto vintage. J'adore. Moto vintage, tu te rends bien compte que c'est loin de ce qu'on voulait. J'ai pas dit c'était un mood board. Ah. Mais je te trouve légendaire avec cette tenue. D'accord. Tu mets un 3,5 sur 10. Ah, quand même, tu mets plus que l'autre. Ah, bah encore heureux, la tenue avec les bottes c'était. C'était iconique, c'était très Kate Moss Glastonbury. Ouais, ouais, c'est très pas le mood board. T'es la reine. Ok, on passe sur un truc très girly pour contrer avec oui, cette position. Ça, c'est un look. C'est très matcha. Ok. C'est très matcha. On retrouve de la fleur comme t'aimes bien. C'est féminin mais remixé. Ok, j'arrive. Le haut est parfait. Je trouve que c'est très toi. Parce qu'il est grave à ma taille, genre c'est rare, il y a toujours un problème de taille. Même la couleur, je trouve que c'est très toi. Ça, c'est la vibe que je veux. Le short, il y a un petit souci de comment c'est taillé, mais bon, c'est pas de ta faute. Et avec ça, tu peux mettre les petites converses blanches. T'es cutie pie. Franchement, c'est très beau. Je peux même te mettre ça, regarde. Là, ça va. Juste, ouais, le short, il y a un problème. En fait, il faudrait qu'il soit genre comme ça, mais sans l'effet bizarre. Moi, je trouve que c'est très beau. Ce haut, en plus, il a été porté par Dua Lipa. Ah ouais? Mm-hmm. Mais en rouge. Ça t'aime? Les bracelets, je suis pas sûre. T'aimes les bracelets? Bah, je sais pas avec cette tenue en fait. Non. Et c'est quoi comme sac? Sac? Attends, je vais regarder sur la presse. La presse? Ah, j'avais pas vu le sac, mais tu vois ça? Alors tu vois, c'est là où on se comprend pas. Je trouve que ça vient tout gâcher, c'est un peu trop vintage. Attends, je peux essayer des trucs, tu peux mettre sur toi. Je te dis que j'aime pas. Je regarde. Ah, on peut rien, on peut pas respirer. Non. Bah voilà, je crois que c'est ça. Là, dans ce look, je garderais que le haut. Et tu mettrais quoi, un petit jean bleu? Un short blanc? Tu veux qu'on essaye avec un short blanc? Non, ça va pas. Bah, ça va pas, le nœud et tout ça va pas. Alors le nœud ça va pas, mais je préfère un million de fois plus. T'es un peu basique, non. Bah je suis pas basique, voilà. Remets-le, on va le remettre. Mais dis-moi pas que tu préfères comme ça, dis-moi en commentaire. Non. Ça c'est un look, là t'es looké, l'autre t'étais juste habillée. Je trouve qu'en fait, oui ça fait un peu un caméto sur certains angles. Mais ça vaut pas la peine de l'éliminer pour autant, tu vois. C'est un peu le candidat un peu chiant, mais en même temps, il est sympa. Donc on va pas l'éliminer. Il est indispensable. Il est indispensable, mais il a quelques défauts. Moi, je trouve ça très beau. C'est mon préféré depuis le début. C'est beaucoup plus que j'imaginais. Tu vois, là, t'as voulu me la mettre en vert, t'as voulu mettre un petit short blanc. Oui. Je t'explique si je là, te vois. Là, non, j'adore l'ensemble, trop beau. Juste. Si je te vois le short. Si je te vois en Belgique avec le short blanc et le t-shirt vert, je fais des droits d'auteur pour cette vidéo. Je participe. Alors, en temps normal, j'aurais pas mis 7 notes, mais par rapport aux autres, là, je mets un 7 sur 10. Mais t'aurais mis combien sinon? 6. Mais t'es dur. Hein. Heureusement que t'es pas propre. Hein. Depuis le début, il n'y a pas un look où je me dis, oh, j'adore, je vais aller tout le monde comme ça. Essaye-moi ça avec ça. Je vois un peu la vibe de. C'est un peu Britney Spears qui bat tout le monde. Non. Si. Pas du tout. Britney Spears, elle a tout le monde toute nue. Bah, un peu moi là. Je sais pas. C'est très tout brûlant. Bah ouais. Si, j'adore. Et on oublie depuis le début, on oublie les lunettes de soleil et tout. C'est pas grave, les lunettes de soleil, tu mets du noir, tu mets du truc. Enlève-moi ces chaussures. En fait, c'est vague, c'est vraiment. Là, c'est très tout brûlant. Je m'habille en fric. Pas du tout. Bah si. Bon, c'est pas négatif, mais c'est une vague de fric, genre. C'est une vague un peu vintage. Tu peux pas me dire que ça, c'est pas. Enfin, tu vois, tu viens toujours cacher le look.
Je suis une meuf simple, ça fait 15 fois que je te le dis. Bah par contre, c'est des hautes bottes noires, y'a rien de plus basique. Mais par contre, tu me choisis pas que des looks noirs. Hein. Genre là, tu me mets pas le look noir et le look noir. Ouais, j'ai rien choisi pour l'instant. J'aime bien, c'est pas mon crêpe mais j'aime bien. Bah moi, j'aime et j'aime pas. Je trouve que les bottes, je déteste comme d'habitude. Mais pourquoi tu détestes? Parce que ça me saoule, ça m'énerve. J'ai la vision, je comprends, là je comprends totalement. Je vois une meuf comme ça, trop... Et je me dis waouh, mais moi jamais. Pourquoi? Si t'aimes bien sur les autres, pourquoi t'aimes pas sur toi? Mais parce que c'est pas mon style. Mais t'arrêtes pas de me dire que t'as pas de style, donc je peux t'en proposer. Ce n'est pas mon style, le truc un peu allé 2000 là, en mode strass. Mais c'est un délire de festival, donc ça va, je trouve. Moi je trouve que c'est très tout Tomorrowland. Bah là je trouve que t'as... c'est bien hein. T'as rendu la tenue moins féminine. Non, pas moins féminine. Mais je suis d'accord avec toi que c'est moins bien. C'est moins beau qu'avec les bottes. Mais c'est beau. Moi jamais je pourrais me pointer comme ça, mais par contre je pourrais plus me pointer en basket. Mais j'aime pas. Je trouve que c'est pas mal cette tenue. C'est pas mal. C'est dommage que tu veux pas mettre les bottes. Je comprends, parce que ça va mieux avec, mais je le mettrai pas. Mais qu'est-ce qui fait que t'aimes pas les bottes? C'est trop... ma stock. Ouais mais au bout d'un moment, il faut créer des personnages. La mode c'est créer des personnages. Tu crées le personnage Andy à Tomorrowland jour 1. Andy à Tomorrowland jour 1, mais un micro short, un haut dos nu et des grosses bottes. Ouais et alors? Y'a quoi? C'est Andy de Tomorrowland, c'est un personnage, c'est nouveau. Cette vidéo c'est vraiment moi qui te hurle dessus en disant mais t'es belle. Et moi c'est... Non. Le mood board. Genre je comprends vraiment. Mais juste, jamais je me pointe comme ça. Et c'est pour ça que je t'ai précisé que j'aimais pas les bottes. Ok, vas-y, garde les bottes. Tu me mets ça, voilà. Tu vas pas aimer, on s'en fout, c'est juste pour voir. Très court. C'est très nul là. C'est très très court mais c'est iconique. Je vois le délire. Mais tu mets ça. Mais plus avec la petite jupe de tout à l'heure, la noire, le short. Ouais. Plus que ça, ça c'est affreux. Hein. Non, c'est pas affreux. Tu n'aimes pas. Non, je trouve que c'est très beau. Après, ça. Oh là là, t'es la reine. Refais. Oh my god, Dua Lipa. T'es la reine. Ça fait un peu punk. Enfin, pas punk, mais ça fait un peu genre. Ouais, mais est-ce que c'est pas un personnage qu'on a envie de débloquer? Non. Là dans le jeu vidéo j'en veux. Elle m'a dit ça fait un peu punk, qui m'est pas de faire fou. Non mais ça c'est en plus tu vois, c'est... Tous les looks ils sont en plus non? Non. Bah tu vois c'est déjà beaucoup plus moi. Ouais mais non, t'es pas habillée là, tu vas à la plage. Là tu m'ennuies, je m'endors. C'est quoi comme sac? Je m'endors. Non là c'est aucun sac, je propose rien. Maya c'est le seul look que j'aime. Non c'est pas beau. Ça t'aime pas? Bah faut essayer. Ça me va ou ça me va pas. Mais ça tu me mets avec ça. Ça c'est dans le mood board. Ouais c'est dans le mood board, ça dépend comment tu me mets les accessoires. Vas-y, tu me la mets. Pas mal. J'en ai tellement jamais d'accord. Pas mal. C'est pas dégueulasse, je pense que c'est un en dessous. Un maillot de bain jaune. Ouais, essaye avec ça. Fais plaisir. Tu te fous de ma gueule, essaye. Ça se rend. Plus jamais je te confie mon argent. Essaye, ça se rend. Moi, si j'allais en festival et que j'étais toi. Tu m'emmerdes à dire ça, va au festival et me casser les couilles. Et je ne peux pas. Non, mais je comprends le délire. Ouais. Là, c'est grave Kendall Jenner, c'est tout ça. La robe, elle est belle. La robe, c'est moodboard. La robe, c'est. Attention à ce que tu dis. La robe, c'est moodboard. C'est dentelle, c'est bottes, c'est féminin. Les bottes, c'est pas de moodboard. Fais voir. Attitude. T'es la reine. T'es chiante. T'es la reine. Je comprends le délire, hein, c'est beau. Juste jamais je me pente comme ça. Et t'as tellement mal aux pieds à Tomorrowland que je mets ça. Mais... Non, mais elles sont trop grandes les bottes. Non, mais c'est pas le sujet, grande, petite. Ok, vas-y. Là, ça te frotte. Ah, tu transpires et ça te frotte là. Ok, donc tu mets des nouvelles baskets, ça te fait pas mal? Bah, je vais les mettre un peu avant. Mais c'est pas la question. Okay, c'est les bottes. C'est pas confortable. Il fait 25 millions de degrés ou alors il pleut. Ou... Quoi? Elle vient de me dire, on est en Belgique, il fait froid, il faut ça des manches longues. Des jours. Parfois il fait 35 degrés, parfois il en fait 20. Je suis pas Miss Météo, moi je t'ai fait des looks. Je t'ai prévenu. Putain, Maya, je suis choquée. Tu m'as fatiguée. C'est vraiment la surprise de l'année cette vidéo. Mais est-ce que tu comprends, genre mes looks? Je comprends totalement tes looks. Je comprends juste genre pas. Tu te doutais bien que. Tu peux me proposer, même dans mes bobos, je t'avais dit. Tu peux me sortir un peu de ma zone de confort, genre si t'as quelques looks à proposer. Mais là, y a pas un look qui est dans ma zone. Oui, mais tu sais que si j'avais su que tu voulais que je t'achète des petites robes comme tu m'as mis sur le board, exactement ça, je t'aurais dit bah. En fait, la vidéo n'a aucun intérêt. Mais non, mais avec d'autres accessoires, tu peux me proposer d'autres mais couleurs. Mais je vais pas t'acheter une robe, petit look. Mais tu peux vraiment te mettre des manchettes. 4 looks dans la DA. Bah là, c'est la DA. Là, c'est le mood board. Fais pas genre. Ok, c'est le mood board. Bref. Les baskets, je sais pas. C'est moche. Quand je pensais que le premier look c'était une catastrophe, je veux du marron en dessous. Du marron? Tu vois? En maillot? Un maillot marron. C'est beaucoup mieux. C'est assumé. Et c'est pas tout clair sur clair. C'est beau. C'est beau marron, t'as vu? Il fallait un truc qui contraste. T'es d'accord avec moi? C'est mieux marron. Les baskets, c'est
un truc, non? Moi, je prends les bottes, mais bon. Mais oui, les baskets, c'est pas mal, sinon peut-être des converses marron. Genre, t'as quoi comme basket? Essaye. J'aime pas. Jaune et vert, c'est iconique. Non, mais j'aime bien le mélange de couleurs. Ce que j'aime pas, c'est cette forme plate là sur moi avec la jambe à l'air, c'est pas beau. C'est mieux, tu penses? J'aime bien. En fait, juste ce que j'aime pas, c'est forcément peut-être les bandes. Non, je préfère les converses. Okay. En fait, je trouve que la converse, c'est vraiment la paire de chaussures qui passe partout et qui fait pas basket. Ok, mets-moi ça. Ça, c'est une robe à moi. Attends, le sac. Ah, pardon. J'aime bien ça, moi. Oh, j'aime pas. T'aimes pas quoi? J'aime pas. Pourquoi tu veux ça? J'aime rien, en fait. J'aime aucun sac que t'as choisi. Le sac, on s'en fout. Il est sous l'épaule. En fait, j'aime bien me sentir à l'aise dans mes tenues. Là, t'es pas à l'aise? Bah, je me sens pas ni moi ni belle. Ah bon? Non, mais... Ah bon? Le haut, j'aime bien. Genre, ça et tout, ça me dérange pas. Ouais. Mais. C'est les baskets que t'aimes pas? Je sais pas. Ouais. Bah, moi, j'en préfère avec des bottes. Hein. Ouais, mais non. Donc, c'est hyper galère, je suis d'accord. T'aurais pu me mettre l'autre basket. Hein. C'est vraiment une flemme. Ok, maintenant, on continue. J'ai pas donné de note. 7 sur 10. Ouais, ok, j'en fous. C'est trop serré. Là, mes bras vont exploser. C'est trop serré, mais on peut commander plus grand. C'est un cauchemar. Je vis dans un cauchemar. Moi j'aime. Mais c'est trop grand. C'est trop petit. Il faut que ce soit genre large. Il faut absolument. Tu vois, ça c'est le. En fait, ça m'énerve parce que je comprends la vision. Je comprends le layer, mais non. C'est féminin. C'est en dentelle. Bah. Mais il faudrait que ce soit plus large parce que ça, ça va pas. De toute façon, pas. Là c'est trop. Ouais. En fait, il faudrait prendre une taille genre beaucoup plus grand. Ok, on passe à autre chose. T'aimes pas du tout? Mais y a pas... c'est pas ma taille, c'est trop. Mais on peut recommander. Oui, mais on va pas commander pour la vidéo donc. J'aime ça. T'avais pas dit j'ai une robe à moi? Ah si, j'ai une robe à moi, mais je vais te la mettre après. Essaye ça. Je trouve que c'est très beau. En fait, c'est une combi dos nu. Ah, accessoirisé. Monde de dos, moins 360. Juste au corps. Mais c'est la tendance des danseuses. Faudrait un petit truc là. C'est quoi un petit truc là? Une jupe. Non, mais ça va, oui, elle va mettre une jupe sur un body. Là, j'aurais tendance à te mettre les bottes. Bah ouais, mais faut pas avoir cette tendance. Mais tu vas me mettre les converses noires. Et je vais t'accessoiriser. À la base, c'était ça. C'était les bracelets et la manchette. J'en ai marre de te voir en noir. Bah, c'est toi qui me proposais un look noir. Oui, bah, je t'ai mis... Est-ce que je t'ai mis un look noir sur le truc? Ouais. Oui. Ah non, c'est noir. Attends. Non. Non, ça va. Franchement, t'as fait 6 jours de festival. T'es en mode, ok, j'ai servi des looks tous les jours si tu sers des looks. Le dernier jour, tu peux te dire, bon, au lieu de mettre un t-shirt blanc et un jean, je vais mettre ça. Mais c'est pas le look où les gens ils vont dire, waouh. Tu finis pas sur Pinterest parce que t'as mis ça. Je déteste la matière. En fait, je comprends le délire. La matière, elle fait tellement juste au corps, cheap, avec ses bracelets, aucun rapport. Les Converse, plus le petit sac en cuir, en faux cuir, aucun rapport. Là, c'est ennuyant et en plus, malgré le fait qu'on ait un truc archi simple, c'est genre une faute de goût. Pourquoi faute de goût? Ça va, oui, t'es en noir. C'est un putain de juste au corps de gym avec des bracelets dorés. Mais que toi qui sens la matière, les gens mais qui... Mais ça se voit. Mais je suis choquée parce que là, toute la vidéo, je suis trop aigrie. Bah, t'aimes pas, hein, tu vas me dire que t'aimes. Ça, c'est une robe à bord, donc essaie là. En plus, c'est très pratique parce que c'est un short. Ah, j'aime bien. C'est une jupe, c'est une robe short. J'aime bien. Elle m'a paniqué. Elle m'a rien. En fait, t'as peur du bonheur. T'as peur du bonheur. T'as peur que les gens te disent que t'es trop la reine. T'es chiante là. Bon, dépêche-toi là, je pense à avoir une scoliose, frère. C'est plus le délire. J'avoue, la matière, en fait, je suis pas fan. Mais on s'en fout de la matière. Par contre, elle va très très bien. Par contre, les converses noires, tu m'enlèves. T'es complètement contre... Tu vas pas me dire les bottes. Les ballerines. Non, mais après, là, ça va faire too much ballerine. Enfin, hors thème. Tu vas à un ballet ou tu vas à ton branlant. Et bah enfin, alors... que c'est vraiment deux opposés. Je vais voir ça. Moi, je mettrais converse blanche. Mmh, ouais, vanille fraise. Ouais. Cutie pie. Donne-moi un sac et des lunettes. Alors, j'ai jamais vu une styliste qui mettait pas de bijoux hein, en dérouleur. Ouais, mais je me suis dit, valide des looks déjà et pas mal. Et c'est ça. Ça c'est, par contre, ça c'est impraticable à tout moment. Alors. Oui, tu fais voler ton tel. Non. Si. Tu vas te faire voler ton tel et tout. La nana, elle me dit, mais c'est tout mon relance, ça doit être pratique. Elle me sort ça. Non, j'avoue, c'est, il est pas pratique, je l'ai jamais. Elle me sort ça. Non. Vas-y. Là, je me prends pas pour de la merde. Mais t'es pas de la merde, pourquoi tu te prendrais pour de la merde? Elles me vont tellement pas. Ouais. Ouais. Oui. Ou petite, mini, genre Ed Bieber. Mieux. Mmh, ouais, pas mal. Festival. Il est pas mal le look, il est mimi. C'est cool. Ok en vrai. C'est cool. Par contre, c'est mes effets personnels donc je te mets une caution. Pourquoi pas? Cutie pie. J'aime que ce soit asymétrique. C'est asymétrique? Bah oui. Bah non. Bah.
bien. Ah, devant par derrière? Non, mais devant là. Tu vois bien que c'est pas coupé droit. Sinon, elle serait comme ça, c'est asymétrique là. Mais non, c'est pas asymétrique, ça veut dire que c'est pas symétrique. Là, c'est symétrique. C'est symétrique des deux côtés. Bah oui. Et regarde là, c'est coupé comme ça, comme ça, comme ça, c'est asymétrique. La jupe est asymétrique. Mais on se comprend pas. C'est pas asymétrique. Asymétrique, ça veut dire que c'est pas symétrique. Mais elle est pas symétrique. Parce qu'elle est pas pareille de partout. Elle a pas été coupée droit. Mais t'es con quoi. Là, regarde là en face. C'est pareil. Là et là, c'est pareil. Oui, mais c'est symétrique. La jupe est asymétrique. Mais non, c'est juste que là derrière, c'est un peu plus long. C'est asymétrique, tu vois bien, c'est pas coupé droit. Ok. Tu sais que j'ai raison, mais t'as pas envie de lâcher. C'est pas grave. Franchement, c'est pas du tout ce que je préfère. Mais c'est quand même le meilleur look depuis le début. C'est insultant. Je t'ai sorti une robe qui a été usée, portée, j'ai transpiré dedans. Ah, super. Ok, là, comment dire? En fait, je voulais te faire un t-shirt, ok, personnalisé. Ok. Sauf que je voulais pas te le faire et que tu me dises que t'aimes pas. Oui. Parce que du coup, ça gâche un t-shirt que tu peux pas rendre parce qu'il est personnalisé. Oui, mais ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle, mais du coup, je vais te l'expliquer parce que peut-être que tu vas pas kiffer. Ah ouais, ce serait archi étonnant. Donc en gros, je t'ai pris un petit pantalon qui est un capri. Tu te fous de ma gueule. Quoi? Non mais t'es chiant. Maya, jusqu'au bout. Laisse-moi finir. Je t'ai pris un petit capri, ok? Tu peux le mettre. Mais ça. C'est lourd. Mais ça. C'est lourd. C'est même toi, tu rigoles. C'est un look que j'ai ajouté. Mais toi, tu rigoles. C'est un look que j'ai ajouté vendredi soir. C'était pas prévu à la base. Je me suis dit, je vais tester ça. Voilà. Je voulais. Non, ça va. Ça va pas? On dirait que tu vas à l'équitation. Ça va? On dirait que je suis prof de sport au collège. Non, on dirait que tu vas à l'équitation. Pour l'épreuve du brevet. Non. C'est atroce pour ça. Non, là, c'est en mode, ok. Alors aujourd'hui, petit poney caramel, il a été très coquin. Ça va. Tu me le brosses parce que là, il y a le poil. Voilà, ça va. Le short. Ça va pas. Mais moi ça avec. Non, en gros, je voulais te faire un t-shirt personnalisé avec écrit, je sais pas si t'as la ref. Alors aujourd'hui, pour le cours de yoga, Namasté tout le monde. Des heures, je passe des heures sur les sites de mode. Ah, je retourne tous les sites ça internet. Se voit. Ok, enlève ça. Mais tu vois, j'ai bien fait de pas personnaliser le t-shirt, j'aurais gâché un t-shirt. Oui, mais ça aurait pu être drôle, ça dépend ce que tu mets dessus. Mais je peux en placer une. Je peux t'expliquer ce que j'ai droit de te répondre quand tu me parles. Et tu m'as pas répondu parce que je t'ai pas encore dit. Vas-y, dis. En gros, tu vois, je sais pas si t'as la ref, mais je me trouvais que c'était drôle de mettre un t-shirt comme ça à Tomorrowland. Et je trouve que ça fait une. Genre, c'est un truc où tu vas interagir en fait avec les gens du festival. Ouais, j'aime bien. Genre, tous les gens du festival, ils ont été en mode. Mais j'adore. J'aime bien l'idée. Je voulais qu'ils t'écrivent sur un t-shirt. What do DJs actually do? T'as vu ce TikTok ou pas? Oui, j'ai vu. C'est une meuf qui pleure, qui est hilarante, qui a dit mais ils font quoi les DJs, je comprends pas. Oui. What the fuck do DJs actually do? Because I don't think they're remixing the song on the spot. I think they make it ahead of time. So what dials are they pressing? What are the buttons doing? Mais je voulais pas faire le t-shirt et qu'ils me disent mais jamais je vais avec un t-shirt avec une écriture, je déteste. Mais non, mais arrête d'abuser, tu mélanges tout là. Mais t'as vu ce que tu dis depuis le début de la vidéo? Tu dis j'aime le style, mais je trouve ça pas beau. Non mais un t-shirt large, je m'habille oversize. Mais large, justement, je voulais pas qu'il soit large le t-shirt. Bah voilà, ça va pas. What do DJs actually do? Mais je viens de te dire le pantalon, je l'ai rajouté last minute. Le pantalon, je l'ai ajouté. Le pantalon, il fait ça tout seul, j'en ai que. Oui, d'accord, le pantalon, il est affreux. Ça te va pas du tout. C'est une horreur. Non, mais en plus du fait qu'il te va pas, il est pas beau. Bon, il reste des looks là. Il reste une robe. Bah voilà, je suis déprimée. Non, ça va pas. C'est une horreur. Ah, d'ailleurs, je sens que j'ai les fesses à l'air, genre, je le sens. Pas pour tout mon Roland, je crois. Ça peut, hein. Non. Pas du tout. Ah, c'est vrai que là... Attends, mets-le. Bah, franchement, au moins, ça fait pas la petite meuf qui a... Tu l'as bien. Bah, tu as mis une couverture blanche. Bah, mets mes bottes, mets les bottes, alors. Moi, je trouve que t'es cutie pie. J'aime bien. Je trouve que les bottes, moi, j'irais à un festival, je mettrais des bottes. Hein. Je mettrais pas des baskets, je trouve que les bottes, c'est plus confortable que les baskets. Parce que les bottes, tu mets des grosses chaussettes, t'es hyper confort. Mais il fait 40 degrés, sur. Mais frère, t'arrêtes pas de me dire, il fait froid. Ça dépend des jours. Moi, j'aime bien celle-là. Mais il va dire qu'il aime pas. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Les bottes. Ça fait un peu... Juste les bottes. Bah les bottes, le problème c'est que tu fasses supporter la journée quoi. Ok, sans parler de ça. Elles sont plus grandes que sa taille, donc en fait elles flottent dedans, donc c'est très confortable. Non par contre, elles sont confortables, j'avoue. Ouais, c'est bien. T'aimes bien les bottes, genre là, tout Tomorrowland, tu trouves que c'est stylé d'aller comme ça? Ouais, tu t'habilles comme tu veux, ça passe. C'est laquelle, combien t'y as tenue là? C'est la dernière, et c'est la... Bref. Tu peux commenter les... Je t'envoie les photos de chaque look et tu commentes. Alors? Ouais, ça j'aime bien. Ok. Non mais c'est la reine. Moi je pense que c'est abusé. Non mais t'aimes ou t'aimes pas? Sans parler de est-ce que c'est trop nu? Oh, c'est rien de spécial, c'est mignon. Bah franchement la même chose en étant moins nu, c'est ok, mais là franchement c'est nu. Ok.
Ok. Non, ça c'est abusé ça. Non, ça c'est abusé. Non, ça c'est trop abusé ça. Dans quel sens? Mais c'est un maillot de bain. Bon, les deux, déjà je trouve pas ça beau. Et en plus, de toute façon, j'aime pas le jaune. Donc déjà, ça part mal. J'aime pas le jaune, c'est moche. Enfin, je trouve ça moche. Et... Non, là t'as abusé. Et en plus, t'as le cul à l'air. En fait, je me suis dit, Andy, faut que ce soit la reine. Faut que ce soit la reine. Non, mais ok, sans parler du fait que c'est à poil, est-ce que t'aimes? Bah, en fait, il y a deux bouts de tissu. Comment tu veux que je te. Comment ça, sans parler du fait que ce soit à poil? Ça n'a aucun sens ce que tu dis. T'aimes ou t'aimes pas? C'est beau ou c'est pas beau? Bah, non, j'aime pas. Ok, voilà, c'est tout ce qu'on veut savoir. Ça, t'aimes bien? Ouais, c'est mignon. Kendall Jenner, tu vois qui c'est Kendall Jenner en fait? Ouais, ça voit bien, ça voit bien. C'est quoi? C'est un ensemble? Ouais. T-shirt, short. Demain, j'aime bien le haut, mais j'ai pas le bas. Ah, ouais, non, ça c'est no way. Ah, c'est quoi avec les ballerines? Mais attends, mais t'as complètement craqué. Oh, on dirait que tu sors de 48 heures de techno là. T'as mis un rideau. Voilà, à partir du moment où la justification que la tenue est pas belle, c'est que ça ressemble à un rideau. En fait, tu veux que je fasse quoi? Non, moi je suis pas fan, j'avoue, je suis pas assez mode. Je suis trop classique, je pense. Et celle que j'ai sur moi là? Ah, ouais, celle-là, ouais, ça passe. Bon, ok, merci. Bon, vas-y, bisous. Je pense que limite c'est lui mon préféré. Ah ouais? Je sais pas, je suis un peu perdue. Je mets 8 sur 10 à cette tenue. En vrai, je vais donner mon avis honnête. Vas-y. Je comprends totalement les looks que t'as fait. Genre, il n'y a pas eu de big faute de goût, sauf 2-3 petits trucs que j'aimais vraiment pas. Oui, parce que aussi j'ai acheté plein de trucs pour tester sur le moment. Oui, j'ai compris. Juste, j'avoue, tout le long j'étais choquée que tu me les proposes parce que tu me connais, tu vois? Ouais, mais en fait, je me suis dit, je vais pas venir avec la petite robe bleue, juste comme ça. Bleu, jaune, rose. Je me suis dit, en fait, si elle m'a demandé, c'est qu'elle a plus d'idée de quoi mettre. Non, moi je voulais un peu cette vibe, mais remixée avec un peu d'autres propositions. Je peux pas remixer cette vibe. Mais là, c'est complètement un autre style. Mais j'avoue que c'est des bons looks. Moi, genre sur toi. Mais tu vois, c'est ça que je comprends pas. C'est que des fois, genre moi, j'ai un style de tous les jours. Je mets des trucs comme ça tous les jours. Je suis habillée pareil tous les jours. Y a rien de fun. Par contre, quand je vais à un événement particulier ou quand je vais à un défilé qu'on me propose même des looks que j'aurais jamais acheté, je me dis bah c'est fun parce que je le porte une seule fois. Moi, mon anniversaire. Une fois dans l'année. À mon anniversaire, je peux me dire genre je mets un truc d'un thème. C'est un personnage. Oui, mais là, tu peux faire des journées à thème. Tu peux te créer des personnages. Tu sais, il y avait un thème d'ailleurs. C'est ça qui est fun. C'est quoi, c'est life? Ouais. Ah, mais là, oui. Ça peut être toutes tes life. Ouais. Une tenue matcha, une tenue cutie, une tenue genre. Mais je suis folle. Ouais. Tu veux dire? Ben oui, mais pas ce style. Pas le style. En fait, moi, je veux des. Mais du coup, tu voulais rester que dans ton style, donc en vrai, je sais. Non, mais pas forcément. Mais pas trop aller à l'autre bout de la terre. Il y avait des trucs qui n'étaient pas à l'autre bout de la terre. Juste, c'est un peu hors thème par rapport à ce que je voulais. Ah oui. Voilà. Ouais. Qu'on soit d'accord. Ah mais on est d'accord. Oh non, mais je sais pas que t'as respecté le moodboard. J'ai respecté le moodboard, mais. J'ai... En fait, parce que là, le but c'est que ce soit vraiment des tenues que je mette. Genre là, quand je vais à Tomorrowland, tu vas les mettre. Moi, il fallait que je propose des choses nouvelles que t'aurais pas pensé à mettre. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Ok, bon, en tout cas, merci parce que je sais que tu t'es donné. Ah, j'ai mis ma vie perso de côté. Hein. Merci beaucoup, Maya. Franchement, malgré tout, je suis contente. Parce moi, que j'ai hâte que la vidéo sorte et que les gens. Les gens, je fais mon pronostic. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont adorer. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire ah, c'est pas possible. Maya, ça arrive. Je le sais d'avance. Et ben, il y aura deux teams, mais au moins, ça va jaser. On a fait une vidéo sur la chaîne de Maya, comme je disais, où je lui fais ce magnifique make-up. Elle m'apprend à me maquiller. Après, voilà, tu vois. Ça va bien. Liner, c'est pas mon style à la base, mais tu vois, je suis sortie de la zone de confort. Liner noir. Liner noir, jamais fait. Bon, bah voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Vous mettez les. Et du coup, là, tu vas y aller nu à Tomorrowland. Enfin, tu fais quoi? Bah, là, je vais faire un mix entre des trucs que t'as acheté. Il y a plein de choses où je vais me faire rembourser, je dois bien l'avouer. Bien sûr. Et ensuite, bah, je vais refaire des looks. Je vais commenter tes photos, je vais faire bouh. Merci beaucoup, on espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Et moi, c'était ma dernière sur la chaîne d'Andy. C'est fini. Salut! À jamais!